Donc c'était l'occasion pour moi de parler du projet que la faculté de pharmacie d'Alger a initié et a proposé donc, à l'autorité concernée, qui est en l'occurrence le ministère de l'Enseignement supérieur, concernant le projet de la filiale usine-école pour la possibilité de créer une plateforme de formation pédagogique pour préparer l'étudiant donc, à sa profession, bien comme il faut, comme ça donc, il sera doté et armé d'un ensemble de pratiques et concernant le secteur pharmaceutique pour qu'il puisse exercer son métier dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Également, donc, une plateforme de recherche pour les doctorants, pour les thésards, pour les enseignants-chercheurs, et principalement comme une plateforme et un laboratoire de développement et de recherche qui sera agréé par l'autorité compétente concernée, le MIP, pour faire la prestation de services dans le cadre de le développement analytique et galénique, pour assurer certains services que les laboratoires clients n'arrivent pas donc à le réaliser à leur niveau. Donc on le fera dans le cadre d'une prestation de service afin d'avoir des rentes d'argent comme ressources financières pour assurer le maintien, l'entretien des équipements et le projet lui-même. Donc aujourd'hui, c'était un grand jour pour nous, donc pour les pharmaciens, un an après. Donc j'espère que ça va être une coutume, ça va être une tradition que chaque année, mois de novembre, on fêtera l'anniversaire de création de cette faculté, bien évidemment, en réalisant des journées scientifiques avec des thèmes à chaque fois différents.